merci d'accueillir Feur FM au 105 dB. Merci à vous d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs? Oui, bah, je m'appelle Jérémy et donc on a fondé le 105 dB il y a maintenant 3 ans, quasiment presque jour pour jour on va dire, mais en tout cas voilà, ça fait 3 ans. Et donc je suis directeur d'établissement. Comment est né le projet 105 dB? À la base, c'est des amis qui sont musiciens, en fait, on est une bande d'amis musiciens. Et on a eu l'occasion de se produire dans différents établissements. Et certains établissements étaient assez atypiques et on a beaucoup apprécié passer du temps là-bas. Et on a voulu reproduire ce type d'endroit dans une ville plus modeste, si je me permets de m'exprimer ainsi, et surtout plus rurale. Mais c'est très bien, parce que du coup, ça fait vivre Forbach, hein ? Oui, on l'espère. Alors Jérémy, ton établissement, c'est déjà ce que l'on voit, le bar, la salle de spectacle, mais c'est pas tout. Non, effectivement, c'est une structure qui se compose aussi d'un studio d'enregistrement, justement pour accueillir des artistes et donc du coup pouvoir enregistrer leurs EP, singles, albums, etc. C'est aussi une salle de photos et vidéos pour réaliser des clips et éventuellement aussi donc des photos pour les pochettes, des événements, etc. Nous avons aussi toute une partie qui est sur le merchandising, donc en fait on fait aussi de l'impression textile, papier, etc. Goodies en fait pour accompagner aussi les artistes. Et en fait le but c'était justement d'avoir une structure cohérente et un peu qui regroupe plusieurs activités. Je cherchais couteau suisse. Couteau suisse, très bien, très bon terme. Y a-t-il encore des projets pour le 105? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées? En fait, là, on développe surtout le Neufest, qui est un festival qu'on organise pour la 3e édition cette année, si tout se passe bien. Ça va être vraiment le plus gros projet qu'on aura jamais fait, puisque cette année, il y aura les Fatal Picard et Smash It Combo. Et ça se passe par contre sur la ville de Neufgrange, c'est-à-dire que c'est de là où je viens, où j'habite on va dire. Et donc en fait c'est ça qui va vraiment nous accaparer cette année, tout en ne délaissant pas évidemment la structure présente à Forbach. D'accord. Alors, il se passe quoi au 105? Quel est un peu le programme? Que se passe-t-il sur cette scène? Alors en fait, nous on est ouvert 3 jours par semaine à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire qu'on est ouvert le mercredi, il y a karaoké. Les vendredis, il y a 99% du temps de jam session, donc c'est le but de faire des buffs, que des artistes se retrouvent et jouent ensemble. Je dis 99% du temps parce que je commence à caler des concerts le vendredi aussi, tout doucement. Ah d'accord. Et sinon, le samedi en général, c'est concert, sauf quand je ne peux pas être présent, et dans ce cas-là, en fait, c'est karaoké également. Mais je vous invite du coup à retrouver le programme sur la page Facebook, puisque je suis un vieux, et donc c'est sur Facebook et non sur TikTok ou une autre plateforme, malheureusement. Très bien, ça nous Alors justement, c'est à cette occasion que Fort FM est présent ce soir, c'est à l'occasion du concert de See You at Sunset que nous avons reçu récemment. Y a-t-il d'autres groupes à venir que tu pourrais annoncer? Oui, le prochain c'est donc le 4 février, ce sera Mélanie Laurent, c'est un concert acoustique. D'accord. Et après, comme je venais de l'indiquer, je vous invite à retrouver la page Facebook. Tout le reste de la programmation sur la page Facebook qui s'affichera aussi à l'écran et également en description. Merci Jérémy de nous accueillir ce soir. De rien, merci à vous. Et très bonne soirée. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez trouvé la soirée? Super. C'était très bien. Vous avez bien aimé le concert? Vous connaissiez déjà See You at Sunset? Moi je connaissais pas, j'ai trouvé ça vraiment génial. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. D'accord, et c'était génial, c'est vrai. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bastien. Super Bastien, comment t'as trouvé ce concert? Trop bien. Trop bien? Ouais, trop bien. Trop bien. Trop bien. Tu aimes See You at Sunset? Ah bah oui, je suis le plus grand fan. What abuse me, you will never make me drown. You better hold back, you won't have a second chance to tie me down. No second chance to tie me down. Thank you.
merci. So bright, oh, never would be so alive. Whoa. Never keen on a hunt out street. Whoa.